soit rendu à Dieu. Vraiment, je bénis l'Éternel, ma soeur. Je bénis l'Éternel de ce qu'il a renouvelé l'intelligence des idées trouvées. Hein? L'ouverture des cellules est une bonne idée. Là, ça va permettre à ce que la foi des plus grands grandisse au travers de la prière, la méditation, des exhortations et tout ce qui s'ensuit dans la louange. Je bénis l'Éternel de ce qu'il va permettre à travers les cellules de rassembler les âmes. Parce que la parole déclare qu'il est doux et agréable de demeurer entre frères. Et je suis vraiment que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Je m'attache à toi. Je dis le Seigneur déjà pour tous ces personnes qui ont été de notre avis, ceux qui étaient en avis. Et bénis le Seigneur aussi pour ceux-là qui n'ont pas donné leur point de vue positif. Il déclare que nous devons rendre grâce à Dieu en tout moment, en toutes choses. Bénis le Seigneur pour cela déjà. Exactement. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. C'est toi qui as disposé tous ceux-là qui ont posé cette terre, chaque responsable, chaque qui a été convaincu par cette idée. Nous te rendons la gloire pour ce que tu as parachevé. Nous prions durant, que tu puisses encore convaincre les anciens Seigneur, et qui n'ont pas donné les Seigneur. Et nous pensons aussi à certains responsables. Cette décision, à toi seul soit le règne au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis en train de retourner là à la maison comme ça. Ok. Donc là, c'est quand comme ça après. Ah, tu reviens. Okay. Pour revenir. Bon, d'accord, moi je te laisse d'abord. D'accord. Oh, vraiment. Bon, ta route aussi, c'est bizarre, vraiment, Goya. Vraiment. Faut faire avec, oh, mon fils. Coco. Oui. Bonsoir, Mangoya. Oui, bonsoir, mon fils. Bonne arrivée, hein. Merci, tu m'assois. Assieds-toi. Ok, mon Mangoya. Ah, maman, moi j'ai une mission à te donner là. Ah, c'est quelle mission? J'ai ma nièce là. Elle est tellement chrétienne. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux l'enfant. Donc, tu vas rester luire la petite là. Ne t'inquiète pas. Moi, je vais te donner le feu. C'est hein? Quelle nièce, mon gars? Ah, elle s'appelle Marina. Marina? Oui. Ah, mon gars, c'est un peu dur, hein. Elle est... La petite, elle est trop chrétienne, hein. Laisse-moi ça. Mère Dieu, là, je m'a plus fort que c'est que moi. Je vais te donner, mon gars. Ah, tu vas me donner un truc? Je t'ai dit. Oh, mon gars, super. Ok. Donc, ce que tu vas faire, tu vas parler avec la fille. En tout cas, les mots, là, tu attires ce mot-là, la fille vers toi. Après, vous parlez. Ah. En tout cas, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Ça va seulement venir comme ça là. Donc, je vais te donner la feuille. Tu vas mettre ça à la bouche, mon fils. La bouche? Oui, tu mets la bouche. C'est pas risqué. Non, tu mets la bouche, tu fermes. Tu fermes ta bouche. Hein? Oui. Tu mets à la bouche comme ça. Après, une fois seulement qu'elle a dit, j'ai bien un. En tout cas, comme tu vois seulement qu'elle est en train de venir. Une fois que tu commences à parler, ça va venir comme ça. Comme ça là. Oh, je t'ai dit. Oh, maman Goya, merci. Je t'ai dit que la puissance là, c'est tellement fort. Ah, ça. Ok. Bon, je vais d'abord te faire quelque chose. Oh. Marina. Marina. Voici, oh. Petit-fils, oh. Tu dis seulement. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Prends mon fils. L'enfant. Mon fils, c'est la feuille que tu vas mettre à la bouche, comme tu vas appeler Marina. Une fois qu'elle vient seulement,
lève vite la feuille. Tu as compris? Oui, maman. Non, c'est facile comme ça. C'est tout tellement facile, mon fils. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est comme si c'était fait rapidement. Oui, merci, mon fils. Bon, maman, Béa. Oui. Ok, maman, je vais un peu essayer de retourner à la maison. Là. D'accord. Je vais essayer de m'apprêter pour la séduction. Oui. Bon, on se voit demain, maman. Ok, papa. Merci. Non, de rien, maman. Bonne chance, mon fils.